Bonsoir et bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver en ce 25 juillet 2020, 21h25, heure du Québec. Comme promis, on s'en va euh, voir. Euh, je, vous, je vais vous traduire cette vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description d'une entrevue d'un podcast avec Mikio Kaku, vraiment intéressant, et qui nous dit qu'on aura sûrement une rencontre extraterrestre d'ici le prochain siècle. Mikio Kaku, Né le 24 janvier 1947, est un américain physicien, théoricien, futurologue et vulgarisateur de la science communicateur scientifique. Il est professeur de physique théorique au City College de New York et au CUNY Graduate Center. Kaku a écrit plusieurs livres sur la physique et sur des sujets connexes, a fait de fréquentes apparitions à la radio, à la télévision et au cinéma, et a écrit des blogs en ligne et des articles. Il a, écrit, il a écrit les best-sellers du New York Times, Physique of the Impossible en 2008, Physique of the Future en 2011 et The Future of the Mind en 2014. Kaku a organisé plusieurs émissions spéciales télévisées sur, ou pour la BBC, Discovery Channel, History Channel et Science Channel. Il est né en Californie. Ses parents japonais-américains de deuxième génération. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est que moi, je vais écouter dans l'arrière euh, de mon studio la vidéo. Je la je vous la traduis. Et ça vient de Lex Friedman. Je vais vous laisser son lien dans la boîte de description qui a eu un podcast avec euh, Kako. Vraiment intéressant. Je vais vous le traduire. Et euh, ça va comme suit. Donc, vous nous, venez de nous dire qu'on va faire on aura un contact probablement dans le siècle présent euh, avec des civilisations extraterrestres. Pouvez-vous euh, élaborer un peu sur votre intuition par rapport à cet optimisme que vous avez Bon, c est, c est, naturellement, ce n'est que des spéculations, de la pure spéculation. Il en va de soi. Mais, étant donné qu'on a déjà identifié 4000 exoplanètes, Et qu'on a un bon, euh, une bonne idée de, la, de notre galaxie, hein? on a un, un bon, euh, comment dire, un bon, un bon compte hein? pour la première fois. On a vraiment une image globale de notre galaxie, de notre galaxie, la fameuse Voie Lactée, hein? euh, nous dit euh, Mikio. Donc en moyenne chaque étoile a une planète qui tourne autour. Il y a à peu près un cinquième de toutes ces étoiles et de ces planètes qui orbitent autour de ces étoiles. On le, on le formant hein, ces, ces planètes-là qui orbitent autour de ces étoiles, un cinquième de notre planète Terre. Donc faites. Les mathématiques, faites le compte, nous dit Mikio. 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. On parle de milliards de potentiels planètes comme celle de la Terre. Et de croire, nous dit Mikio Kako, qu'on est les seuls. Et de croire qu'on est les seuls, je pense que c'est soit complètement ridicule, selon les données, hein, selon les chances. Et il y a combien de galaxies en plus de la nôtre On a à peu près 100 milliards de galaxies dans le télescope Hubble. Donc faites les mathématiques encore une fois. Combien d'étoiles sont là dans l'espace visuel? 100 milliards de galaxies multipliées par 100 milliards d'étoiles par galaxie. On parle d'un chiffre qu'on est incapable de comprendre, qui dépasse l'imagination. Et de croire qu'on est les seuls est vraiment ridicule. Bon, vous avez parlé de différents types de civilisations, les types hein, de, selon l'échelle le, 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 de Kardashev, le type 1, le type 2 et le type 3. Et il y a même 4 et 5 aussi. De ces différents types de civilisations. Donc, qu'est-ce que ça prend si vous pensez que c'est une idée ridicule de penser qu'on est seul? Qu'est-ce que ça nous prend pour rejoindre? Donc, premièrement, de rejoindre par communication et connecter. Donc, premièrement, il faut comprendre le niveau de sophistication d'une forme de vie extraterrestre si on, fait des si on fait contact avec eux. Je pense que dans ce siècle-ci, on va sûrement être capable de capter les, des signaux d'une civilisation extraterrestre. On va être capable, selon Mikyokaku, Kaku, de capter des signaux venant d'une civilisation extraterrestre. Donc on va sûrement être capable de capter leur transmission à, entre eux euh, quotidienne, journalière. Et la première chose qu'on veut faire, un, c'est de, de comprendre leur langage sûrement. Et deuxièmement, à quel niveau ils sont de comprendre à quel niveau ils sont avancés sur l'échelle de Kardashian. Et moi, il je suis un physicien. Nous, on évalue les choses avec deux paramètres, l'énergie et l'information. C'est comme ça qu'on euh, classifie les trous noirs. C'est comme ça qu'on classifie les étoiles. Et c'est comme ça qu'on classifie les civilisations des autres nations. Dans l'espace. Donc, un type 1. Donc, c'est le niveau 1, c'est une civilisation qui est capable de, de générer une énergie par rapport à la planète. On contrôle la température, par exemple. Les tremblements de terre, les volcans. On peut modifier les, le cours de la température. un peu comme Flash Gordon ou Buck Rogers. Le type 2, c'est Stellar. Stella. Ils jouent avec les étoiles. Ils utilisent les énergies des étoiles. Un peu comme Star Trek. Donc, les, la Fédération des planètes a colonisé, euh, les étoiles. Donc, le type 2, selon Mikio, ce serait similaire à ce qu'on voit dans Star Trek, par exemple, les, les technologies qu'on a là. Le type 3, ce serait galactique. Donc, le type 3, ce serait plus comme la guerre des étoiles, Star Wars, d'une civilisation galactique. Donc il dit, un jour, j'étais en train de parler, euh, je donnais une conférence à Londres, dans, dans le planétarium à Londres, et un jeune garçon qui est venu, à, qui est venu me voir, me rencontrer, et il m'a dit, professeur, vous, a, vous avez tort, ce type 4, je lui ai dit, écoute-moi bien, là, le petit. Il y a des planètes, il y a des étoiles, et il y a des galaxies. C'est comme ça, mon ami. Non, il continuait, il persistait. Il y a le type 4. Le pouvoir de la continuation du continuum. Et j'ai pensé à ça pendant un instant. Est-ce qu'il y a une source extragalactique galactique, galactique d'énergie? Et la réponse est oui. Il pourrait avoir un type 4. Et ça, c'est l'énergie noire. Donc, on sait maintenant que 73% de l'énergie de l'univers et de l'énergie noire, dark energy, dark energy selon Mikio Kaku. Donc, la matière noire représente 23% à peu près. Et on représente à peu près seulement 4%. On est ceux qui sont un peu euh, hein, euh, à côté de toutes ces forces-là. Et c'est possible, oui, qu'il y ait un type 4 d'énergie. De civilisation, pardon, et peut-être même un type 5 de civilisation. Donc, le type 4, selon vous, ce serait ceux qui seraient capables de contrôler l'énergie noire, la dark energy. Et c'est ce qui, qui contrôlerait l'univers en entier. Donc, il serait. Ils utiliseraient il serait la source globale de l'énergie de l'univers. Oui, c'est ça, exactement. Et le Dark Energy, l'énergie noire, c'est l'énergie du Big Bang. Et c'est ça qui a poussé les galaxies, euh, euh, éloigné les galaxies les unes des autres, pardon. C'est l'énergie de rien. Le plus rien, le plus rien que vous avez, le plus dark ou le plus sombre de l'énergie, vous allez avoir. Donc l'accélération de l'univers elle, elle existe parce que le plus le plus vous avez, le plus vous pouvez avoir. Et ça, c'est une courbe exponentielle comme explication. Et ça, c'est l'état actuel de l'univers. Vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Mikio Kaku, hein, euh, quelqu'un de fascinant, qui n'a pas peur de se tremper. Puis moi, je vais plus loin, on a déjà, nous autres, nous-mêmes, on est déjà probablement le produit d'expérimentation. Il y a très longtemps, les traçons-là, d'abord dans toutes les formes humanoïdes qu'on a découvertes. Qui n'ont rien à voir entre elles, j'en je ai déjà parlé. Je reviendrai peut-être là-dessus, parce qu'il y en a qui ont manqué ça. Puis je vous referai quelque chose là-dessus. C'est tout, tout décrit là-dedans que toutes les formes humanoïdes qu'on a pu trouver en Asie, un peu partout, on en a trouvé plein, plein, plein. Il n'y a aucun lien entre eux, ces formes-là. La seule qui a réussi à prospérer, à survivre bien, prospérer, c'est la nôtre. Toutes les autres sont disparues. Je vous reviens, c'est trop intéressant. Je vous reviens cette semaine, je vais, je vais la refaire celle-là parce que souvent les gens n'aiment pas retourner dans les vidéographies, je vous avais vous la refaire, vraiment fascinant. Je vous laisse le lien dans la boîte de description de ça, vraiment, vraiment. C'est pour nous autres, hein? on aime ça, c'est fascinant, puis on est probablement fasciné parce qu'on est le produit de ça. Je vous reviens.